J'ai rêvé de toi cette nuit. Ah bon, tu rêves de moi maintenant? Bah pour une fois que je rêve de toi. Non mais le rêve il était vraiment trop bizarre. T'étais en train de faire un concours avec Bilbao, avec celui qui mangera le plus rapidement une pomme. Me regarde pas comme ça. Attends, je vais te raconter l'histoire. Donc il y a une sorte de table avec une peluche en forme d'ours qui était le présentateur, et il commence à parler et à présenter un peu le jeu et tout, et les personnes qui vont se combattre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau combat sur C'est qui le bibi ? Merci et bienvenue dans notre émission. Je suis Sam, votre présentateur. Et aujourd'hui encore, je vais vous proposer un combat des plus sensoriels. Une émission qui fait des ravages, mais qui va donc battre notre plus grand champion aujourd'hui ? Les règles du combat sont très simples. Nos deux combattants vont devoir manger le plus rapidement possible les pots de pommes. Et le gagnant remportera notre coupe et obtiendra le prix du meilleur mangeur de pommes. Et sans plus tarder, nous allons découvrir nos deux combattants. Champion du monde du plus grand mangeur de pommes pour la 20e fois, il a les crocs avec son gros bidon. C'est un tonnerre d'applaudissements pour Bibi! Elle est nouvelle, mais ne manque pas d'air et ne compte pas se laisser faire. J'ai l'honneur de vous présenter Océane! Nos deux combattants sont prêts, nous allons pouvoir commencer. Silence, s'il vous plaît! Préparez-vous! Tous les deux sont très bien partis. Bibi garde un rythme plutôt modéré mais très efficace. De suivre le rythme de notre champion. Les deux pots se vident de la même vitesse, c'est incroyable. Bilbao toujours sur la même lancée. Mais qui va donc gagner ? Grand chose, il me restait un petit morceau de pomme. Monsieur Bibi ayant une bouche un peu plus grande que la mienne, bah ça s'est joué un peu, mais voilà, je suis quand même contente. Pour lui, ah voilà, je suis pas une mauvaise joueuse. Voilà, mais je le félicite. C'est ainsi que s'achève notre émission, je vous remercie à tous, c'était ça. Océane, hein? Quoi? Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah rien, je t'écoute. Ah mais t'étais totalement déconnectée là. Ah bon? Bah, je te parlais tranquillement de l'histoire et là, t'as regardé ailleurs et t'étais dans tes pensées. Tu sais, tu fais flipper parfois. Bah, si, je t'écoutais. Et c'est qui a gagné, au fait? Bah, c'est Bibi qui a gagné. En même temps, avec son gros bidon. Mais t'étais pas loin de le battre, hein. Je crois qu'il te restait un morceau de pomme et t'allais gagner. D'accord.
Bah, tu vas où? Je vais partir. Partir où? Je rentre chez moi. Mais Océane, tu es chez toi. Qu'est-ce qui lui arrive, Sylvain?